je suis avec Sandra. Et moi c'est Sarah. Et on se retrouve pour le nouvel épisode de Pocket Morty. On est très content de vous retrouver pour la suite. Nous avons toujours pas regardé comment se fusionnent les Morty. Je vous promets pour le prochain épisode, on regarde ça. Ou dites-le nous en commentaire. Ouais, si vous savez. Exactement. Toi, je sais que tu joues. Toi, tu joues, donc dites-nous-le en commentaire. Pardon. Et puis sinon, on va continuer tout simplement à battre des Morty, des Rick, exactement, de la Muerte, hein, on les appelle comme ça. Et puis voilà, et puis à la fin de l'épisode, on s'ouvrira un petit big play truc pour voir si on a un nouveau Morty cool. C'est la dernière fois, on a eu un Morty trop cool. Ouais, grave, j'en rappelle plus du tout. Mais il était cool. Je sais qu'il était cool. Et donc pour le prochain épisode, vous me dites aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait peut-être plus judicieux, peut-être, pourquoi pas, de battre tous ces Rick du conseil. Pas du conseil, hors caméra, et vous battre que les membres du conseil, parce que sinon ça va être long. Et du coup, est-ce que tu te rappelles ce qu'il fallait qu'on choque comme Morty? Bah lui. Ah bah un comme ça, ce serait bien. Ouais. Faut les doubler en fait. Essayer de doubler pour. On va essayer justement dans cet épisode de voir. Alors j'espère que j'ai une puce. Ah oui, on avait fabriqué des puces. Ah, j'avais déjà, il me dit. Mais justement. T'as vu, il y a une petite puce là. Du coup, bah un petit fléau. Hein. On va voir ce que ça lui fait, mais. Pas grand chose. Pas énorme, mais c'est pas grave. C'est bien justement, comme ça on est sûr de. Pas lui faire trop mal. Exactement. Finis ces phrases aujourd'hui, ok? Tout à fait. Michel. Est-ce que j'entends un autre? Non, peut-être pas. Non, je fais un coup critique. Oui! Une puce manipulatrice. Ah bah non, je les avais pas fabriquées, j'ai dit que je ferai hors caméra, je l'ai pas fait. Bah bravo, Sarah. Bah j'en ai eu au moins. Pecky? Yes! C'est bon, c'est cool. Donc c'est cool. On va pouvoir tester juste après quand on aura battu ce Rick. Ah, une pub. Ah, ah mais d'accord, c'est une pub pour leur propre jeu. Join Blazing Reward Now. Now, quarter day of B-dubs. Je sais pas ce que c'est du tout. Ah, on n'était pas à cet endroit-là. Ah, si. Autant pour moi. Non, parce que je délire dans ma tête. Donc c'est plutôt cool, hein, dans un environnement un peu de vaisseau. On peut dire ça comme ça. Ouais. On est un peu à l'intérieur d'un vaisseau. Est-ce que je peux passer là? Oui. Ouais. Au top. Oh, donc là. Oh, c'est chaud. Oh. On va descendre, on va voir. On y va doucement, hein. J'y vais doucement comme d'habitude parce que je vais pas me faire avoir. Ah, ça aurait été bien de le choper, mais j'ai pas de puce du coup. Ah, ma puce. J'aime la musique. Bon, est-ce que je vais à droite? Non, y'a rien. Et la jeune pousse, faudrait... Non, j'ai pas besoin de la choper. Ouais. Bon, l'objet, tant pis. Hein. Oh. Bah oui, mais non, mais bon, je préfère éviter de me battre. Il marche avec vous. Ouais, il fait partie de la team maintenant, je t'avais pas dit. Ouais. Donc, normalement, ça va pas passer. Ouais. Donc, voilà. Ça ne pouvait pas passer, mais on s'en fout car on est des thugs. Zenabox. C'est comme les pasta. Oh, la grosse tête. C'est comme les pasta box mais en Morty. Ouais. Donc on va prendre un petit type feuille, du coup papier plutôt. Allons-y, allons-y. Il est horrible ce Morty. Oui, il est vraiment dégueulasse, j'aime bien moi justement. Il est cool. Par contre, j'enlève mes chaussures, ça me saoule. Voilà. Ah, c'est pathétique. Non. Bisous mouillés. Oh, on meurt de chaud là, on vous le dit. Le jour où on tourne l'épisode, on n'en peut plus. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je sais pas combien il fait du tout, mais c'est... En vrai, moi, ça va. Hein. Ah, j'en peux plus. Je suis... En plus, je vais au sport ce soir. C'est une grosse connerie, quoi. Je vais être... Ah, niveau 17, c'est cool. Ouais. En fait, c'était un plan diabolique avec Liz. On savait qu'il allait faire chaud. Et on s'est dit qu'on voulait vous faire suer. D'accord, super sympa. Je vais enlever l'énergie négative. Ah, encore une attaque qui fait 8, parce que quand on a fait évoluer tout à l'heure, on a récupéré nos Morty. Alors il est type quoi lui? Type ciseaux, je dirais. Ouais, pour les vipères. Pour les dents. Pour les crocs. Et du coup, on a déjà un Morty qui a pris une attaque, c'est trop cool, qui fait que 8 de PA, donc qui doit être très puissante. C'est pas lui. Et là, du coup, notre Morty, gluant, là, je sais plus si ça s'appelle comme ça, a aussi appris une attaque de 8, donc il doit être très bien. Parce que je suppose que moins la PA. Plus elle est puissante, c'est un peu comme dans Pokémon. Bah, en principe, oui. En principe. Excuse-moi, j'ai tiré sur la corde à linge. On va essayer dissipation. Ah, parce que je suis con. Disparition, pardon. J'ai pas fait un type pierre pour le premier. Parce que mon attaque était de type normal. Tu sais, elle est pas typée. Ah oui, bah, l'attaque est pas typée, fléau, donc je l'avais utilisée. Donc... Elle est pas typée. Elle est pas asiatique, par exemple, ou bien un peu noire, tu vois. Donc lui, c'est un type. On va changer parce que de toute façon notre Morty là gluant il est papier donc théoriquement c'est un type papier. Théoriquement ouais. Attack, Morty. Okay, okay. Eh oui bien joué.
tirer. Donc peigne et pas boucle du coup, parce que faut bien faire une attaque type ciseau pour le faire bien mal et blam. Midlife mon gars. Bon on est bon hein, pour l'instant, on n'a pas de soucis, on est toujours assez le haut level. Ah non mais ah, ça c'est pas juste. Oh non c'est pas cool. Je suis déçu. Yeah, you know what I say. Je perds mon oreillette. Je m'en dis dans l'oreillette que je perds mon oreillette. Alors lui, bah du coup je peux savoir aussi, hein, parce que je l'ai. Le mortier de la vallée, donc c'est un type papier, donc nous allons garder notre type ciseau. Tout simplement. Et nous allons faire un bon petit peigne et on va voir ce que ça lui fait. On va lui faire une petite coupe parce que sa coupe est juste. Bah pas terrible, hein, le côté cheveux en l'air comme ça on dirait moi. Pas trop, ouais. En plus il est roux. Pourquoi il m'a fait un coup critique là, c'est quoi le délire? Je ne sais pas. J'ai pas trop suivi. Bah moi j'ai suivi et ça m'a fait un peu chier. Parce que du coup il va me tuer. Voilà. Oh. Super, j'ai plus de côtelettes. Bah on va prendre notre mortier de base, hein. Moi qui avais faim, c'est clair, une petite côtelette, ça m'aurait bien fait plaisir. Attaquer fléau. Ciao. On l'a battu et on atteint le niveau 14, cool. Avec notre mortier de base, c'est bien parce qu'il faut le faire évoluer. Moi, je peux pas le mettre à la crèche, donc... Ah, une nouvelle attaque, c'est cool. Bien. Donc on va oublier pleurs. Ouais, on s'en sort pas de cette... Oscillation, c'est cool. 240 Schmeckles, très bien. Encore une pub, mais ça n'arrête pas. C'est nouveau, là, il y a des pubs. Il y a des pubs à mort. Alors par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est soigner notre mortier... le seul type ciseau qu'on ait. Ouais. Ce serait bien. Alors, c'est quoi déjà? C'est l'Alzinger, c'est ça? Ouais. Non. Ah, ou l'Alzinger pur, hein. Allons-y. Ouais. Ça va sur tous les PV, donc... Écoutons, allons-y. C'est pas grave d'utiliser les objets. Dans Pokémon, j'ai tendance à garder tous mes objets, tu sais, en mode, ah, il faut que je les garde, ouais, au cas ouais, où. Ouais. Mais c'est une connerie, il faut utiliser. On se rend compte après que finalement, du coup, on s'en sert pas. Bah non, on s'en sert pas et on les garde jusqu'à la fin de l'aventure, on est super puissants. Ouais, super. Hein, super, hein, en fait. Super. Ah, ok. Oh, super. C'est cool. Pour les puces. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ah bah, ok, nickel. On va juste regarder un peu. Wow, il a des mortis de ouf, trop classe, lui. Ouais. Mortis avec un chien, un mortis squelette. Mort, là, ouais. Le mort et un mec avec Oh, un mortis avec un œil. Putain, mais il est trop cool, lui. Il est trop cool, lui. Ah ouais. Mortis chewing-gum. Ah ouais. Tu m'as l'air, tu vas avoir l'air sacrément dur avec des chewing-gum sur la tête, Rick. C'est pas cool, ça. C'est horrible de faire ça en plus à quelqu'un. Je l'ai pas fait, moi, mais je connais quelqu'un qui l'a fait au collège, à quelqu'un, mettre un chewing-gum dans les cheveux. Il y avait du ton de ses cheveux. Mais tu peux rien faire. C'était typique le truc qu'on avait tous peur que ça nous arrive. Ah, c'est horrible de faire ça. Et nos parents nous disaient, ne faites surtout pas ça. Alors. Bon, un petit peigne, hein. Les années 90, quoi. C'est ça. C'est un truc genre, c'était horrible dans les 90, ça. Ouais, moi, tu chewing gum dans les cheveux. Il y a les couilles mammouth de mammouth et tout, là. Les couilles mammouth. Waouh, couilles... le mortier magique, il est génial. Oh, il est trop beau. Oh. Et vraiment, wow. Niveau 16, putain. Ouais, on va prendre un petit papier, un niveau 16 aussi. Ah, il y a 17, sinon t'as 17. Ouais, ouais, mais bon, je le garde. J'aime bien le mortier de la vallée, je l'aime bien, franchement. Ouais. En plus, il fait des attaques pathétiques. Donc, c'est lui qui a eu une attaque de 8, mais elle est pas type papier. Donc j'hésite à l'utiliser. Il y a son dark qui baille. Hein. Oui, pardon, je baille. Elle est en plein truc. Et je rate mon attaque. Super. Mais non, t'as pas raté. Ah, j'ai pas raté. Ok, j'ai rien dit. Disons cellulaire. Ça marche. Il a... En fait, il a fait son attaque en premier. Ouais, alors j'ai cru... Ça fait bizarre. Cool. On va tester la petite attaque 8. Bon, Ah bah ça tombe bien. Comme ça, on n'est pas typé. Et du coup... C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va changer du coup pour un tout petit type pierre, un petit mortier débraillé niveau 17 qui fait plaisir. J'aime beaucoup celui-là. Oui. Comme on l'a dit, c'est le premier que... En plus, je suis presque niveau 18, hein, à peu de choses près. Ouais, c'est clair. Bah là, il va passer, c'est sûr. Quoi? Bah c'est un truc qui fait plusieurs attaques. Ah bah putain. Donc on va utiliser un sérum puissant. Oh le bâtard. Ah le bâtard, hein, franchement, c'est abusé. Hein. Ah, ah ouais, ça me dégoûte trop, hein, franchement. Mais il y avait des... Y a des... Dans Pokémon, il y a des Pokémon qui ont des attaques comme ça aussi, qui font, tu sais pas combien de coups. C'est un petit peu à chaque fois. Ah, des comme quand on lance le jeton avec les cartes. C'est à peu près ça, voilà. Et y en a des fois, ils enchaînent. C'est le hasard, tu vois. Ça enchaîne, et tu fais, oh putain, et tu... Des fois, tu perds face à un mec qui t'enchaîne, il te fait 10 coups, quoi. C'est statistiquement très rare. Ah oui, d'accord. Mais la carte, là, par tu vois, exemple, ouais. C'est chaud, elle donc. Elle est trop bien, son attaque, quoi. Bah, elle est pas mal. En plus, ça a l'air de faire de plus en plus mal. Ouais. Donc là, je vais passer niveau 18, c'est très cool. Ah, yes. Ça fait plaisir. Nouvelle attaque? Non. Non, je vais en apprendre une en même temps. Mortiborgne. Donc on va changer parce que Mortiborgne, il faut le savoir. Tu n'as pas changé. J'ai pas changé. J'allais dire c'est un papier. Petit papier, mais du coup j'ai pas changé. Super! Au top!
Ah, là, de midon de rien du tout. Hein. Ok, c'est pathétique, donc c'est très bien. On va faire un petit coup de peigne. Putain, j'ai plus d'attaque. Dans l'œil. Peut-être dans l'œil. Yeux fermés. Oulala. 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 Rate pas ton attaque. Rate pas. Oui. Donc, il a plus que deux mortiers, mais il y en a un qui est midlife, hein, je crois. Oui, lui. Ouais. Donc, il était type quoi? Je ne sais plus. Type papier, je dirais. Bah non. Type pierre. Oui, j'avais pris mon mortier de la vallée pour le battre, donc je vais prendre mon gluant. À mon avis, j'avais sorti lui pour lui. Je me trompe peut-être, mais. Non, c'est ça. Et pourtant, il n'y a pas de logique, parce que pour moi, c'est soit papier parce qu'il a des cartes, soit à cause de sa barre et tout, ses ciseaux. Mais donc, du coup, c'est ni l'un ni l'autre, c'est. On va faire bisous mouillés. Il va rien comprendre à sa vie. Adieu. Allez, salut. Qu'est-ce qui va nous sortir du coup comme dernier mortier? Je m'en rappelle plus. Ah oui, putain, ouais. Mortier à neuf. Il fait peur. Bah, on va continuer, on sait pas quel type il est donc. Type papier. Ouais. Bon, bah, on va rester avec le type papier. Hein. Okay. On va lui faire une adaptique normale. Ah, ouais, il est rapide, le mortier neuf là. Il est vraiment très beau par contre. En plus, hein. Il est ouais, vraiment beau. Je kiffe l'esthétique du truc quoi. Par contre, j'aurais mis type pierre quoi. Ouais. J'ai fait un coup critique, c'est super classe. Je vais le battre avec un type papier quoi. À tous les coups. Yes. Hey. Classe. Trop classe. Bien joué. 437 points d'XP. Le GG. Le good game. Le Alzinger. Cool. C'est cool. Ah mais arrêtez avec vos pubs. Ils vont nous faire ça à chaque fin de combat ou quoi? Ça va être chiant là hein, par contre. Ouais, tu prendras l'habitude de... Ouais, de fermer, mais c'est chiant. C'est chiant. Ouais, bon alors, on a du coup chopé un morti spécial. On va essayer d'aller fusionner. On va voir ce que ça... Mais je vais descendre de soi en fait. Ah, ce que j'ai refait pour monter. J'ai remonté sans faire exprès avec ma manette et du coup, automatiquement, il dit hey, « Eh, tu devrais peut-être aller soigner Michel, parce que, hein, pas de déconner. » Parce qu'elle est pauvre, quoi. Que tu vas perdre après. On va les guérir et on va essayer de fusionner. Les Simpsons. C'est dans la crèche ou quoi qu'on fusionne, je sais plus. Combiné. Oui. Ah, il y avait un. Ouais, du coup. Donc, Morty de la Vallée. Avec Morty de la Vallée. Combiné. Le frère. Oh. Attends. Wow. 23. Voilà. Ah là, je suis trop content, là. Là, je suis super content. Il est magnifique de ouf, quoi. Ah, t'as vu toutes les couleurs de cheveux différentes? Waouh, il est trop classe. Voilà, on s'y rejoue pas du tout. Hein. Franchement, ouais, là, c'est Morty juste... Tansia, du coup, il s'appelle. Ah, comme Hortensia. Pas mal. Ouais, pas mal, le nom. Trop bien. Putain, génial. Est... Alors, du coup, dans mon deck, il y est automatiquement. Oh, il y est. Ouais. Putain. Trop cool. Putain, je kiffe. Il est beau. Ça, c'est... En plus, c'est l'un de nos préférés. Du coup, c'est ouais, c'est clair. Donc, faut bien fusionner des Morty de même type. Il est trop beau, regarde. Ah mais il est grave beau quand il se déplace et tout. Bon alors, on va combler en parlant, d'accord? Vous inquiétez pas, mais je vais fabriquer des puces manipulatrices. Ok. Parce que, faut si pas tu déconner. Tu veux en choper d'autres. C'est ça. Parce qu'on voulait le morti débraillé, du coup, qui devienne le robot, là, le clochard. Alors comment on... Donc faut qu'on chope un autre morti débraillé. Voilà, faut toujours partir du principe, c'est les deux mêmes. Ouais, c'est chaud, hein, par contre. Hein. Alors, en fait, on n'a pas trop de chance, je pense, de tomber sur le même avec tout ce qu'il y a comme morti, en fait. C'est ça. Là, c'était un pur hasard, on est tombé dessus, mais à mon avis... Ouais, c'est pas évident. Donc c'est quoi, faut un câble qu'il faut avec ou pas? Ouais, non. Attends, mais j'ai mes recettes. Je suis bête. La puce manipulatrice, c'est... Oui, c'est ça. Ah, c'est une plaque, pas un câble, une plaque. J'en ai une au moins. Je ne sais pas. Pas du tout, oui. Oh, j'en ai plein. Très cool. Oui. Donc je me fabrique au moins deux puces, hein. On va pas passer 3 heures là-dessus, mais au moins deux puces pour avoir de quoi. Ouais, j'en ai 3. Bah, faut que je refasse une pile surchargée, ça prend du d'accord. temps. Autant pour moi. Bah, c'est pas que ça prenne du temps, mais un peu quand même, quoi. Donc ouais, c'est vraiment très cool. Hein. Donc en fait voilà, c'est ça. Faut vraiment fusionner. Donc là en fait j'ai eu la chance de tomber sur un niveau 2. Parce que c'est un niveau 2. Le comment il s'appelait? Du coup avant de s'appeler Mortensia là, comment il s'appelait? De la vallée. De la vallée. Du coup le morti de la vallée c'est le morti jeune pousse x2. D'accord. Oui c'est ça. Tu vois. Et du coup j'avais déjà chopé un morti de la vallée dans le BP truc, donc un niveau 2. Et là on est tombé sur un niveau 2 aussi. Oui exactement. Donc c'est très très cool. C'est vraiment très cool. Ah merde, pardon. C'est très très cool parce qu'on a eu beaucoup de chance quoi. Sinon faut quand même choper deux fois des mortis jeunes pousses, quatre mortis jeunes pousses pour les fusionner en deux mortis. Ouais. Ah c'est chaud quand même. Ouais, c'est compliqué. C'est pas évident. Hein. Mm-hmm. Bon, là on a eu beaucoup de chance. Donc on va essayer d'avoir encore de la chance. Très bien. Ah ouais, grave.
Ouais, je veux voir, mais c'est trop bien de les voir évoluer. Ah, c'est clair. Comme Pokémon. Comme Pokémon. Comme Pokémon. Et puis c'est un niveau 23, quoi, les mecs. Bah quoi, ouais, niveau c'est 23, cool. C'est ouf. Parce que, bah, en plus, t'avais eu de la chance, ils étaient... il y en avait un 14, niveau 14, et l'autre 16, je crois. C'est ça. Et ça fait 23, oui, c'est un peu... c'est pas... ça, ouais. Ouais, c'est pas l'un plus l'autre, quoi. Donc ça me sert à rien. Il y a des mares de sang, quoi. C'est... ouais, c'est... voilà, c'est un style, hein. Ah, il a... ouais, il a une mortille en sa sœur. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas ça? Hein? Sydney, non? Je crois pas. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas Sydney. Non, c'est ah, on avait pas chopé, lui? Non, tu le voulais, je crois. Ah, on l'a vu, mais je vais pas le prendre, du coup. Bon, je vais sélectionner un peu ce que je prends, parce qu'on va essayer de fusionner pour l'instant. Oui, excusez-nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Rick and Morty, et du coup, on sait plus le prénom. Oh, je suis directement sur le... cool, et je peux aller à ça ou pas? Est-ce que je peux y aller par là-haut? Oui, mais c'est trop bien! Je peux choper le truc d'objet de ouf. Ouh la vache. Donc, 220 Schmeckles, une boîte de... un circuit imprimé, très cool. Et du coup, en plus, c'est ce qui me manquait, le circuit imprimé. Et du coup, je peux directement aller battre le Rick. C'est bien? Mm. Oh, y a un tube de jeu turbulent, mais c'est un peu galère. Ah, une conserve, c'est... ouais, je peux la choper. Je peux descendre en plus pour voir quand même. Ok, pas là. Tu en as ? Est-ce qu'il faut que je le chope, lui ? Oh, on sait plus. Oh, on sait plus tant pis. Tu peux aller voir quand même les mortis que t'as, non ? Non. Ah non, parce qu'ils sont à la crèche. Bah ouais, c'est ça qui est chiant. Je peux pas, je peux oh, pas le mortier en mode... ouais, zombie... entretien avec un vampire, c'est ça. Super film, d'ailleurs. Ouais, trop bien. Tant qu'aime pas Tom Cruise. Oui, mais de ce film-là, c'est une tuerie, ce film. C'est ouais. Vraiment... qui c'est qui l'a fait déjà? C'est Polanski, non? Non, attends, qui c'est qui l'a fait, ce film? Dites-nous dans les commentaires qui a fait Entretien avec un vampire. Trouve-nous ça, toi. Trouve-nous ça. Il faut qu'on sache. Alors, du coup, on est sur un petit type pierre. On va changer. Et il nous faut un type papier. Donc, pourquoi pas balancer Mortensia? Mortitensia? Mortitensia. Donc, il a quoi comme attaque? Est-ce qu'il a gardé les attaques d'avant? Attends, ouais, bah, 74 de HP. Comment il bat? Non, mais il est magnifique. Hein. Ouais, il est beau. Ah, on a bien les mêmes attaques, ok. Et donc là, on va lui faire une attaque. Attends, un niveau 23 contre un niveau 16, on va voir ce que ça fait. Wouah! Okay, voilà, énorme. Entretien. Oh, j'ai une attaque 5 PA sur 5 PA. Elle doit faire trop mal. Bah, on n'en sait rien. Voilà, c'est lui. Ah, c'est vraiment trop cool. Marty Débardeur, c'est un type quoi déjà? Ciseaux, non? Ah non, Si, ciseaux. Ciseaux, ouais. Je vois bien ça comme ça. Donc on va prendre un autre type terre, un petit mortier débraillé. Faut que je rechope un mortier débraillé, quoi, c'est ça, en fait. C'est surtout ça qu'il faudrait. Mais du coup, notre mortier de base, on peut pas le faire évoluer. C'est ça qui est bête. En même temps, c'est censé être un mortier légendaire. Neil Jordan. Neil Jordan? Ouais. Ok. Il a fait quoi d'autre, Neil Jordan? Bah, je me dis pas, il a fait des baskets, hein, parce que là, ça va pas le faire. Il a fait les Jordans, Pas de la pub, de la pub. Attaquez, attaquez, attaquez. Disparition. Mais je veux pas aller voir la momie. Va falloir que j'utilise un objet pour le soigner. Un petit sérum tout simple. Faut que j'achète des sérums d'ailleurs. Je suis blindé de thunes donc y'a pas de soucis, mais faut que je le fasse. J'ai plus de 10 000. Hein. Ouais, j'ai plus de 10 000 Schmeckles. C'est de, en fait de placer de l'argent. Ouah, Morty Summer, t'as vu? Ouais, c'est ça, Summer. Summer, c'est ça, pas Sydney Summer. Et je savais que c'était une saison, et je réfléchissais à ça depuis tout à l'heure. Ah, une saison, tu veux dire, oui, une saison, genre été. Oui. Et il a une photo de Summer, quoi, c'est trop marrant. C'est trop drôle. Et il est cool celui-là, moi j'aimerais bien l'avoir. Ouais, il est vraiment cool, je suis d'accord. Alors, Monsieur Neil Jordan, il a fait. The Borgias. Ok. Aviv, pardon. Ok. Là, c'est plutôt. What? Oh, c'est avec l'acteur. On a fait bien mal là, c'est cool. Ça finit. On a fait quoi d'autre de connu, ce con? Je vais regarder. Oh non, mais vas-y. Morty de pierre. Mais forcément de type pierre. Je sens qu'on va sortir notre petit Morty Tansia. Ah, ils sont niveau 18 et tout ça, oui, d'accord. Moi je m'en fous, j'ai un Morty Tansia niveau 23. En même temps, c'est normal, il en a que 4. Ah, oui, d'accord, ouais, c'est normal. Okay, okay. Ah, ça me fait pas mal. Ah, c'est encore une attaque qui fait plusieurs coups. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est chiant. Je vais essayer de tirer l'attaque de type normal. Qui a que 5 PA. Pour voir si elle fait mal ou pas. Heure du dîner. Ah ouais, elle fait quand même pas mal. Mais il a pas fait des films de ouf en fait. Ah ouais? Bah il a fait Entretien avec un vampire. C'est déjà très cool. C'est déjà bien. Si vous n'avez pas vu ce film, on vous invite à aller le voir. Ça parle de vampire.
C'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Et même, moi j'ai lu les bouquins et ça se rapproche vraiment du bouquin, quoi. Et les bouquins sont très bien. Franchement, j'avais beaucoup aimé lire ça. Oh non, putain. Oh non. Ah bah du coup, ça va le tuer. Ouais, salut. Super. Ouais, là, il a plus d'HP, le pauvre. Morty Summer. Putain, Morty Summer. Donc c'était type papier. De ce dont je me rappelle. Oui, c'est ça. Donc on lui fait un petit peigne, normalement elle va mourir. Bah, il va mourir. Oui, c'est pas ça. Ça reste un mec. Hein. Trop et bien. Et donc on va reprendre Mortensia. Ah, on passe au niveau 17, c'est cool avec le petit Morty Côtelette. Ah, mortifié. Bah, on va oublier humidifier. Ouais. Changer, du coup, on va reprendre Mortensia, même s'il a pas de vie, je pense qu'on peut y aller. Mortitensia, pas Mortis, Mortensia. Mortitensia, ok. Bah non, mais c'est pas facile aussi. Trop bien. Par contre, je pense que les niveaux sont. Ouais, tu vois, ils gagnent pas beaucoup de coups. Bah, forcément, voilà. En XP, voilà. En fait, ils gagnent autant que les autres, mais c'est juste que la barre d'XP, forcément, est plus. Oui, c'est ça que je voulais dire, ouais. Plus longue, c'est ce qui est normal. Après, on va pas se plaindre, on est au niveau 23. Bah, on se plaint pas. En plus, il a vla la gueule, quoi. Vla de la gueule, je veux dire. Il est vraiment super beau, donc. Je suis assez content. Bon, on va soigner et puis on continue. Mais non, mais je sais, c'est juste que la manette déconne un peu. Avec l'émulateur, ça déconne un peu, voilà. Non, mais alors là, tu vas me faire chier longtemps, c'est toi. C'est normal qu'on bouge plus, la caméra. Ah non. Ah, on a bugué sur la caméra. Ah, on est beau. Alors, désolé. Bon, on est beau. Hein. On vous reprend tout de suite. Ok, on rebouge sur la caméra. Désolé, la caméra apparemment avait planté, donc on a fait une petite pause. C'est pas une petite pause, une petite pause. Le plus important, c'est de regarder le jeu, hein. Exactement, pas de gueule, hein. Et de nous entendre. Oui, aussi. C'est ça. C'est les aléas du direct. Tout à fait. Ça. Par contre, j'aimerais bien que ça. Ah, que ça n'est. Mais non, mais ça bug grave là. Et le labo de Morty, du coup, ça sert à quoi? J'ai pas encore bien expérimenté ça. Modifier tes Morty. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Oui, d'accord. Oui, c'est bien marqué, modifie tes Morty, mais je. Je sais oh, pas, une grotte. Mais il fallait qu'on enquête. Oh, t'as vu le Morty cuisinier? Ouais. Morty Custo. Bah, je vais te charger d'enquêter, toi. Oh, pourquoi moi? Oh, il est trop mignon. Oh. Morty, Morty orange, ouais. C'est quoi ça? Oh, on l'a vu, ça. Moi, je le veux pas. Je veux pas en double. Oh la vache, la chance. Je sais pas ce qu'il. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il donne, par contre, le Morty orange. Ah, je sais pas. Sur le... Oh, ouais, cool, une pile. Bon, est-ce que je tente de descendre ou est-ce que. Ouais, je vais voir là-haut. Donc là, faut pas déconner, faut faire un coup à gauche, voilà. Pas plus, avec sa trompe de merde là. Ah bah, il y a deux Morty orange, au pire, si on veut les faire fusionner. Mais je sais pas, parce que tous les Morty ne peuvent pas fusionner non plus, quoi, donc. Oui, peut-être, oui, il y en a qui ont pas d'évolution. C'est ça, donc c'est sûr, même. C'est sûr, c'est sûr. Ah, parce que là, il y a que des trompes, hein. C'est bizarre. Ok. Bien, une boîte. Ouais, il y a un truc là. Cool. C'est comme. Mais allez coffre. Donc, 230 Schmeichels, un sérum, c'est cool, et une pile. Très bien, bah, tout ce qu'il me fallait. Cool. On trouve vraiment de quoi faire des puces manipulatrices, c'est ça qui est cool. Ouais. La trompe. C'est quoi ça? La trompe. Ah, ouah, wow, Morty diamant. Ouais. Avec c'est des yeux en diamant. C'est là. Bon, je les chope pas, hein, j'avoue, hein, c'est pas bien ce que je fais, mais bon. Ouais, parce qu'ils sont beaux quand même. Là, bah, ouais, mais bon, du coup, j'ai envie de garder mes puces. Ouais, je comprends. Là, on passe. Hop, faut bien qu'on aille quelque part. Là, on est bloqué partout. Bah, écoute, Gloop, tu vas pas commencer à m'emmerder. Gloop-moi, hein. Pourquoi m'emmerder? Bon, bah, ça bouche en cul. Oh. Ah, bah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Il est trop cool. Ah là 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 là. J'aime bien sa coiffure en fait. On dirait Sirius Black. Ouais, un peu. Écoute, Harry. Je suis ton oncle. Okay. Ah oui, je suis ton oncle. Bon, c'est pas du spoil, hein, parce que les mecs, si vous êtes pas arrivés à là dans Harry Potter, ça, vous êtes très très en retard, donc... Si on veut plus spoiler des trucs qui ont maintenant 10 ans, tu vois, ça va aller, quoi. Je pense que ça a 10 ans, mais c'est possible, hein, les premiers Harry Potter. Je parle pas des livres, hein, je parle des films. Hein. Bah oui, ça a plus de 10 ans. Oui. Ça a plus de 10 ans, ouais, tu penses ouais. Celui-là, en tout cas. C'est le deuxième Harry Potter où on a prononcé son oncle, non? Truc comme ça, non? Non, c'est le troisième. Bah non. Bah si. Non. Le deuxième, c'est quand ils sont... la chambre secrète. La chambre des secrets, donc c'est pas du tout ça. Et le troisième, du coup, c'est... Bah c'est le prisonnier d'Azkaban, donc c'est le troisième. Ah ouais, ok. Ouais. Morty au chat, c'est griffe. C'est donc, c'est ciseaux. Non mais... La logique, vous voyez du coup la logique qu'on a. Ouais. Et normalement...
Allez. Oui. Ouais, deux chats. Au deux chats. Ah, donc c'est l'évolution de Morty au chat. Oui, je pense. Il y a un chat devant. Il y a un chat devant, là, ouais. Là, il en a deux, regarde la tête des chats. Ouais, il y en a un qui est pas content et un qui est content. C'est trop marrant. C'est n'importe quoi. C'est toi. Deux connards qu'ils ont. Non, c'est le chat. Défonce les chats. Oh, waouh, 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 waouh. Un petit fléau au calme. Bing. Bang, bang. Gang, gang. Fourchette qui est de type ciseaux. Pierre. Pierre. Pierre, moi. Pierre. Moi aussi. Je garde mon Morty. Tensia, vous avez vu. Je dis Tensia, t'as vu, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est trop bizarre quand Tensia. Je dis. Au lieu de dire Morty Tensia, je dis Morty Tensia. Bisous mouillés. Ça fait mal, hein. Ton explosion, elle va rien faire du tout. Bah oui. Ouais, c'est pathétique. Je suis désolé de te le dire, mais c'est pas marqué c'est pathétique, mais nous on le dit. Hein. C'est pathétique. Ouais, ouais, ouais. Putain, on bat trop facilement là. Ah là là. Oh là là, niveau 18 là. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Morty barbu type ciseau. Oui, tout à fait. T'as vu comment on est trop fort. Et tu vas voir, ça va être ça. On va aller. Allez ouais. Une petite disparition. C'est le dab le plus lent que j'ai jamais fait de ma vie. Ah, t'as fait ça. Ouais, j'ai bugué. Bah, mon bras il passait pas et du coup j'ai bugué un peu. J'ai fait. Je verrai ça quand je ferai le montage. Oh non, c'est une blague. Attends, le premier il lui a enlevé plus de la moitié. Putain, il était à 24 sur... C'est juste sur... pour répéter ça, c'est juste pour dire ouais, ouais, c'est bon, c'est pas si facile que ça. Ouais, oh, c'est pas si facile. Je dois mettre un sérum du coup. Non, t'as gagné là. Oui, mais pour la suite. Ah, pour la suite, pardon. Bah oui, c'était pas le boss, je suis con. C'était juste Bloop. Objet. Objet sérum utilisé sur Morty débaillé. 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 Voilà. Ça fait arrête de bailler, toi. Ah bah, j'ai bien fait. J'ai... Et mon instinct m'a dit, tu descends là. Pas, dans l'autre... pas de l'autre côté. Oh, et toi, on dirait Prince. Ah, oh, c'est Prince. Papa Rain. Morty Rain. Hein. Le scientifique connu sous le nom de Rick. J'ai entendu dire que ta mère n'était jamais contente de toi, Rick. Ça fait mal. Moi, j'ai envie de voir un Rick Michael Jackson. Ouais. Il aura que des Morty très enfants. Ah putain, la tête géante. C'est l'évolution de la grossesse, elle est géniale. Shut up, Rick. Shut up, Rick. Il était type quoi, Pierre? Je crois. Hein. Je sais plus, mais je peux je pas crois. Dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, putain, le bug. Glavioté. Les glavions, c'est dégueulasse. Ah, parce qu'il a des glavions, en plus, c'est dégueulasse. Bisous mouillés, hein, du coup. Hein. Mais non. Fais chier. Donc on va changer. Bah oui, c'est pathétique, forcément. Donc un type pierre, la martyre de varier. Putain, c'est chiant, on va devoir changer à chaque fois. Ah, ils sont chiants, pas ça. Nous, on fait pas ça, nous, putain. Bon, on assume. C'est pas vrai. Disparition. Réapparition. Putain, deux attaques de suite. Ah, c'est une attaque de pex, pour ça. Bench. T'aurais pu faire pire si t'avais pas fait son truc de merde. Quoi? T'aurais pu faire ce... Ah, ça veut rien dire ce que c'était. Je pourrais pas dire, ça ne veut rien dire du tout. Moi, je me suis comprise, ok. Ah oui, alors là, si vous l'avez compris, mettez-le dans les commentaires. Non, mais je suis pas venue ici pour ce frère, ok. Ok. On a chaud, là. Oui, on a très chaud. Ah non, c'est horrible. En fait, ce serait agréable si tu pouvais pas de la gueule. Oh ah, je déconne, c'est bon. Je déconne, tu peux pas de la gueule, en plus. Un peu seulement. Oh la vache, t'as vu? Parce que ça m'a fait comme... ça m'a enlevé un HP, quoi. J'ai vu ça. Pathétique. Elle est vraiment trop belle, je veux la tête géante. Mais oui, t'imagines l'avoir dans ton équipe, elle va être super... Quand il marche, j'ai rien. Je sais pas trop quand il marche. Mais non. Oh man. Pourquoi j'ai raté mon attaque? C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ah oui, t'en as le battu cœur. Oh bah non. Morty télépathique, excellent. Stressant. Ah, mon type pierre, la merde, je prends mon type normal. Ah, niveau 14 par contre. Et puis c'est pas sûr qu'il fasse mal quoi. Oscillation, c'est la première fois que je la fais. Oh, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. S'il ne rate pas son attaque, on peut le buter. Techniquement, ouais. Eh oui. Bah alors. Tout le monde écoute, hein. Et t'as mis cher aussi. Petite pierre, on va prendre un petit papier là, hein. Peu importe s'il meurt. Je prends pas mon super type papier, je le garde pour la fin. J'espère pouvoir faire un bisou mouillé qui passe en fait. Yeah.
Donc ça fait de l'XP pour le Mortigluant, ce qui est mieux. Ouais. Donc lui, c'est un type... putain, Pierre. Pierre, ouais. Je sais pas, on va tenter. J'hésite entre Pierre et Ciseaux, c'est un peu con du coup. Mais... Ouais, mais c'est pas grave, on va lancer Morton Sear. Ah, Pierre. C'était bon. La petite division cellulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. J'ai les Finistère. C'est faux. Oui, mais bon, ça rime. Si je dis, ah, je viens des Côtes d'Armor, ou alors fais pas ta tête de mort, je viens des Côtes d'Armor. Ouais, vois. Voilà, tu peux dire ça, Pierre. Comme ça, tu m'étonnes pas. Tu as raté ton attaque? Oui, bah ça va. Arrête de m'humilier en public. Mais d'où? Mais d'où? Parce que tout à l'heure ça... Putain, mais ça enlevait encore plus de la moitié. Mais c'est abusé. Ça m'énerve. Ça m'énerve, vous comprenez ça? Heure du dîner. Voilà, il va le bouffer. Nam 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 nam. Ah, elle est fatiguée. Ouais, je reste sur lui. Regarde, je vais battre avec un type papier. T'es prête? Mais c'est normal, c'est plus fort le papier. Ah oui, je suis bête, pardon. Je suis de pire en pire. C'est pas grave. Oh, ouais, tu vas le battre. Ouais. Zbrek. Voilà. Et on a battu un membre. Un Rick. Pas un membre du conseil, pardon. Un Rick. Un sérum, très bien. Arrêtez quoi. Je trouve, mais bon. Un petit peu. Après, on peut pas leur en vouloir. Ah, ma manette s'éteinte, c'est cool. Ah, du coup, tu peux pas jouer. Ah, si. Ah, voilà. Voilà. Ah. Ah. Tu veux dire, ta manette s'est éteinte. Ah. Ok, au top. Du coup, le je sais pas combien il faut. Le bipé truc. Et oui, les amis, c'est la fin de l'épisode, donc on va aller au bipé truc, comme le dit Sandar. Et on va voir ce qu'on va gagner comme petit Marty. Attention, attention, attention. On utilise un coupon, attention, la bonne chance. Oh, je vais un bon Marty, si vous en supplie. Un que j'ai déjà, de niveau 2. Très bien. Un circuit, très bien. Un sérum, cool, très ça. Bien. Attends, oh, une puce, très bien, attention, attention. Hein, oh, on l'a déjà. Yes. On va le fusionner. Oh oui. On fusionne maintenant. On s'en fout. On espère qu'il se fusionne surtout. Bah, il va nous le dire de toute façon, sinon non. Ah, ou alors il sera de haut niveau. Ah, ah ça sonne. Donc, tu peux aller voir s'il te plaît. Donc, moi je reste tout seul pour la fin de l'épisode. On va essayer de fusionner les Mortys. Et ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc, camp d'entraînement. Non, pas du tout. Pas camp d'entraînement, c'est combiné. Donc, le Morty loup-garou et l'autre Morty loup-garou. Attention, niveau 19, niveau 14. Ah! Échec de combinaison, le Morty et le Garou ne peuvent pas être combinés. Bon, et eh ben écoutez, c'est un échec. Donc on se laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous, c'est tout pour cet épisode, mais c'était cool. Et puis au prochain épisode, ben j'aurais peut-être avancé pour combattre un membre du conseil, ce sera peut-être mieux, et puis ce sera cool. Ciao tout le monde.